rendu de la 119e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 10 novembre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 119e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa participation au sommet extraordinaire de la Troïka, de l'organe de la Communauté des développements de l'Afrique australe. Le président de la République est revenu sur sa participation le 4 novembre 2023 à Luanda, capitale de la République d'Angola, à un sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la Communauté des développements de l'Afrique australe. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État ont poursuivi les discussions relatives aux conclusions du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC du 17 août 2023, particulièrement celles relatives à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la gouvernance de la sous-région, notamment les déploiements sur terrain et dans les semaines à venir de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Le président de la République a rappelé qu'au cours d'un sommet du même genre, tenu à Windhoek en République de Namibie, le 7 mai 2023, la communauté avait pris la résolution d'engager aux côtés de nos forces armées des troupes afin d'appuyer nos vaillants soldats dans l'annihilation des ennemis de notre pays et particulièrement de l'agression perpétrée par le Rwanda au moyen du mouvement terroriste du M23. Cette décision avait été prise conformément aux principes de sécurité collective prônés dans le cadre du pacte de défense mutuelle de cette organisation. Les discussions étant aujourd'hui dans leur phase de finalisation, le président de la République a invité le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, avec le collègue de la Défense et ancien combattant, de mettre tout en œuvre pour aboutir au déploiement effectif de la SAMI-RDC. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'évaluer les efforts fournis en matière de prévention et des luttes contre la traite des personnes en vue des réajustements nécessaires. Dès sa prise de fonction, le président de la République a mis un accent particulier sur la lutte contre la traite des personnes. Cet engagement s'est matérialisé à ces jours par la mise en place d'une agence de prévention et des luttes contre la traite des personnes transformée en coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes. L'adoption de la stratégie nationale de prévention et des luttes contre la traite des personnes, la publication des directives relatives à la lutte contre la traite des personnes, la promulgation de la loi numéro 22/67 du 26 décembre 2022, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et des traites des personnes. En dépit de ces efforts, la traite des personnes reste une question très préoccupante qui suscite beaucoup d'angoisse au regard des plaintes journalières et souvent sans issue de nos concitoyens. La situation devrait donc plus que jamais attirer l'attention du gouvernement, car elle reste une question de sécurité d'État et de nos populations. Ainsi, le président de la République en a appelé à l'implication de tous les acteurs, et plus particulièrement les acteurs étatiques, dont la mission a un lien avec la traite de personnes en vue d'évaluer, sous la supervision de la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes, les pas accomplis et les écueils rencontrés aussi bien sur le plan juridique, politique, social que sécuritaire, pourront proposer les réajustements nécessaires, notamment en ce qui concerne le plan stratégique national et les plans d'action national de lutte contre la traite des personnes. Il a donc instruit le membre du gouvernement concerné par ces questions, en collaboration avec son cabinet, d'intensifier les efforts dans la sensibilisation grâce aux activités de veille judiciaire prévues dans la dernière quinzaine du mois de novembre courant dans la province d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la stricte application du principe de transparence dans les cas des pratiques de passation de marchés publics. Soucieux de garantir la transparence dans l'attribution des marchés publics,
Le président de la République a reconnu qu'en dépit des réformes menées dans ces secteurs, l'expérience de ces dernières années montre à suffisance que les recours aux procédures dérogatoires continuent à occuper une place importante. Il en est de même des difficultés persistantes que les prestataires et autres fournisseurs rencontrent pour bénéficier du paiement de leurs factures dans le délai requis. Le président de la République en a appelé à tous et à chacun membre du gouvernement, en leur qualité d'autorité contractante et des responsables des services intervenant dans les processus de passation de marché public, à un sens élevé des responsabilités, d'intégrité, des rigueurs pour combattre plus énergiquement la corruption, les favoritismes et toutes les antivaleurs dans les marchés publics. C'est à ces prix, et seulement à ces prix-là, a-t-il insisté, que nous allons faire de notre système national de passation de marché public un véritable outil de développement de notre pays. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la réforme de l'Académie diplomatique congolaise. Au regard du rôle stratégique que notre pays doit jouer en Afrique et dans le monde et considérant les besoins de renforcer notre machine diplomatique et au-delà des recommandations formulées au cours de la conférence diplomatique, le président de la République a encouragé la réforme de l'Académie diplomatique. S'appuyant sur le modèle poursuivi par l'École nationale d'administration qui concourt chaque année à la formation des cadres et agents appelés à la suite à intégrer la fonction publique, il conviendrait que l'Académie diplomatique congolaise intègre une section dite l'élite, accessible uniquement sur concours et avec étude préalable du dossier des candidats qui s'attellerait à former des diplomates congolais du futur. Composée des jeunes diplômés ou professionnels excédant pas l'âge de 32 ans et détenteurs d'un diplôme universitaire du deuxième cycle, cette section aura pour but de fournir aux institutions et autres administrations du domaine des relations extérieures des agents de haut niveau attestant d'une spécialisation autant sur des branches spécifiques des relations internationales et de la diplomatie que sur des zones géographiques et questions politiques précises. Une telle réforme, allant plus loin que le simple renforcement de capacités, s'avère cruciale. Admis pour une durée de 2 années, chacune d'elles sanctionnée par des stages pratiques effectués pour une durée de 4 mois auprès de nos représentations diplomatiques, ces stagiaires auront le privilège de conclure leur cursus par une affectation dans les postes diplomatiques, se rapportant à la spécialisation de chacun et conformément à un tableau organique et technique d'affectation et de rotation. Par ailleurs, ces aspirants diplomates se formeront au contact d'ambassadeurs en poste, des chefs des corps diplomates et fonctionnaires à la retraite, ayant évolué dans les domaines de souveraineté. Ceci avec l'appui des consultants nationaux et internationaux, notamment en matière de communication, afin de les préparer au mieux à la défense des intérêts de notre patrie, partout où ils seront discutés. À cet égard, il est attendu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, et du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, du ministre d'État, ministre du budget, sous la supervision du premier ministre et avec l'appui du cabinet du président de la République, de préparer cette réforme. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a, au nom de tous les membres du gouvernement, exprimé au président de la République les encouragements du gouvernement avant qu'il n'aille à la rencontre de Congolais pour la campagne électorale. Ces moments de vérité qui arrivent nous permettra de présenter aux Congolais notre bilan ainsi que notre plan pour l'avenir. Nous devons rester confiants quant au soutien qui sera réitéré par les Congolais aux prochaines élections. Aujourd'hui, a-t-il insisté, des millions de Congolais vivent les premiers résultats de ce travail à travers la gratuité de l'enseignement, la maternité gratuite, la montée en puissance de nos forces armées, la réannualisation du PDL 145 territoires à travers le pays comme jamais auparavant. Avec un peu plus de confiance et de sérénité, chaque Congolais regarde l'avenir, chaque parent espère que l'étoile de son enfant brillera. Dans cette perspective, le Premier ministre chef du gouvernement
a demandé au Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, d'ouvrir les yeux de notre peuple afin qu'il opère le choix de la continuité qu'il aura à faire le jour du scrutin. Il a enfin rassuré au président de la République de l'engagement de chacun des membres du gouvernement à donner les meilleurs de lui-même afin que la victoire électorale soit belle, éclatante et historique. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est demeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par l'accueil favorable par l'opinion des déclarations du président de la CENI qui confirme la tenue des élections le 20 décembre prochain au terme de sa visite en Corée du Sud pour s'assurer du respect des délais de livraison des kits électoraux commandés, l'intérêt manifeste de partenaires au regard du processus électoral en cours à l'approche en cours en République démocratique du Congo, l'attente de l'opinion concernant les différentes rencontres de la SADC en rapport avec le déploiement de sa force à l'est de la RDC et la satisfaction exprimée par les artistes et l'ensemble des mélomanes quant à la cérémonie du dévoilement du moment dédié à l'artiste musicien Chungu Wemba Diodi Papa Wemba par le président de la République chef de l'État à l'initiative de l'association Banakin que dirige M. Godard Motemona. C'était il y a deux jours à Matongé. Dans le volet politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déploré des troubles à l'ordre public impliquant des militants des différents partis politiques dans les provinces du Haut-Katanga, du Kassai, du Maniema et du Sud-Kivu. Il a rappelé encore une fois la responsabilité des animateurs de partis politiques dans l'encadrement civique de leurs militants. Le gouvernement, a-t-il insisté, ne ménagera aucun effort à travers les forces de défense et de sécurité pour sécuriser tout le processus électoral. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil des conclusions de la 33e réunion mixte des commissions interministérielles politiques, justice, défense et sécurité, des lois et textes réglementaires en rapport avec le projet de formation entre le gouvernement et Active Assurance et Active Vie RDC. Au cours de cette réunion, il a été adopté la nécessité de la mise en œuvre de l'assurance en faveur de militaires, policiers et leurs dépendants, conformément à la vision du président de la République, tendant à assurer la protection spécifique à cette catégorie sociale en raison de la particularité de leurs services, tout en accélérant la prise de mesures d'exécution prévue par la loi sur la couverture santé universelle. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a quant à lui présenté au Conseil la situation sécuritaire qui demeure calme sur l'ensemble du pays, excepté dans quelques zones de la partie est où les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent vigilantes et déterminées à rétablir la paix et la sécurité ainsi que la restauration de l'autorité de l'État. Brossant la situation opérationnelle, il a évoqué d'une part d'intenses affrontements entre nos forces armées plus que résilientes et la coalition Rwanda-RDF-M23 dans quelques zones dans les territoires de Rutshuru-Masisi et Nyiragongo et d'autre part l'activisme des miliciens Kodeko en Ituri et d'incessantes incursions ADF-MTN dans le Grand Nord ainsi qu'en Ituri. À l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale ancien combattant, est revenu sur les circonstances de la mort les jeudis 9 novembre 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, d'un capitaine de forces armées de la République démocratique du Congo à cause de son faciès. Le président de la République, qui a fermement condamné cet acte ignoble, a salué l'ouverture d'une enquête en flagrance annoncée par le gouvernement provincial du Nord-Kivu contre deux suspects qui ont déjà été arrêtés. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a été chargé de s'assurer
que toutes les dispositions sont prises pour lui réserver un enterrement digne et qu'un soutien et une expression de compassion soient apportés à sa famille. Rapport du programme présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a fait le rapport au Conseil du programme présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres en rappelant que la République démocratique du Congo, solution naturelle face aux enjeux environnementaux actuels, ambitionne de se maintenir comme telle avec de nombreuses initiatives nationales porteuses des développements résilients visant à impliquer les parties prenantes afin d'apporter des solutions durables. Les résultats du programme, financés entièrement par les trésors publics sous impulsion du président de la République, indiquent que 2122 hectares ont été reboisés dans 15 provinces en raison d'une moyenne de 100 hectares par province. Avec l'implication des autres parties prenantes, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, a annoncé qu'un résultat de 89,4%, soit 894 millions, 082425 arbres ont été plantés à 6 jours sur le 1 milliard d'arbres annoncés. Elle a souligné que près de 196,6 millions de plantules prennent se trouvant dans nos pépinières sont en voie d'être mises en terre, ce qui nous permettra de franchir la barre du milliard d'arbres à la date du 5 décembre 2023 au cours de la célébration de la journée de l'arbre ainsi qu'à la clôture du programme par la plantation symbolique d'un milliardième arbre par le chef de l'État. La ministre de l'Environnement a conclu son rapport en informant les membres du Conseil que la RDC dispose désormais d'une banque de données des restaurations de paysages forestiers géoréférencés logés à la Direction technique des reboisements et horticulture. Il avait aussi fait part au Conseil des difficultés rencontrées dans les cadres des programmes de plantation de 1 milliard d'arbres. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Présentation du manuel des procédures de gestion des investissements. La ministre d'État, ministre du Plan, a fait la présentation du manuel de procédure des gestions des investissements en République démocratique du Congo. Elle a indiqué que ce manuel est un véritable outil de travail pour tous les acteurs de la chaîne de programmation et un support didactique pour les non-spécialistes de la technique de programmation du programme d'investissement public. Ces manuels de gestion des investissements viennent donc à point nommé pour baliser le chemin d'une planification, programmation, budgétisation et suivi évaluation adéquate dans les contextes de migration vers le budget programme et ainsi corriger les erreurs identifiées en remettant les investissements publics sur la route du développement de notre pays. Il nécessite que soit concrétisé le renforcement des capacités des acteurs clés, à savoir le plan, les finances et les budgets. Ces textes viennent aussi compléter les mesures d'application du décret numéro 23/18 du 13 mai 2023 portant gestion des investissements publics qui permettra de booster la croissance et de promouvoir les développements durables nécessaires à l'amélioration de la qualité du cadre de vie des populations. Conformément à l'article 1 du dit décret, les détails relatifs à l'implémentation de ce cadre de gestion doivent être consignés dans un manuel de procédure fixé par arrêté du ministre ayant le plan dans ses attributions. La ministre d'État a aussi souligné que la signature de l'arrêté portant manuel de procédure qui porte tous les référentiels présents et à venir pour les différentes étapes du cycle de projet constitue aussi un repère structurel attendu d'ici fin décembre 2023 qui permettra à d'autres pays d'être éligibles aux facilités nous accordées par le FMI. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Création du fonds d'investissement stratégique. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la note d'information relative à la création du fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo. En effet, le fonds aura pour objectif premier de gérer et de rentabiliser des actifs immobiliers spécifiques, notamment le centre financier et le centre de congrès. Il se positionnera également comme un partenaire de confiance pour les investisseurs. Dans ce cadre, il aura pour vocation de co-investir aux côtés de ces derniers dans divers projets stratégiques en fonction des potentielles opportunités. Au sujet de la forme juridique proposée, le fonds sera une société anonyme unipersonnelle, donc une société de
Une société commerciale du portefeuille de l'État, placée sous la responsabilité du ministère des Finances. Une dotation initiale étatique de 25 millions de dollars sera allouée afin de permettre à ces structures de dégager une capacité d'investissement de 20 millions de dollars américains. Sur cette base, le fonds sera en position de réaliser sur fonds propres les premiers investissements permettant de démontrer la viabilité de son modèle. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État des lieux sommaires de la filière industrielle dans les recyclages des déchets de la ville de Kinshasa et projet de la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Rappelant l'instruction du président de la République au cours de la 117e réunion du Conseil de ministres du 27 octobre 2023, le ministre du Commerce extérieur, intervenant au nom de son collègue de l'industrie en pêcher, a indiqué qu'il lui a été assigné de faire un état de lieu de l'ensemble de la filière industrielle dans les recyclages de déchets de matières plastiques et de proposer des mesures incitatives soutenues par une politique publique devant être dupliquée sur toute l'étendue de la République. Il en ressort que Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets solides par jour, dont 48% sont constitués des matières plastiques, 15% de terre et céramique et 11% des plastiques. Malgré les quelques initiatives enregistrées dans la capitale, la quantité des plastiques non recyclés demeure encore énorme et la quantité des plastiques importés est croissante. Les autres types de déchets, épaves des véhicules, pneus, appareils électroménagers, des rébus sont également considérés dans l'approche de l'élimination visant à épargner les communes de la capitale de continuer à subir les spectacles dégradants et inadmissibles des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En exécution de l'instruction du président de la République, le ministre de l'Industrie représenté par son collègue du Commerce extérieur a informé qu'une task force a été mise en place et regroupe les instances compétentes dans la gestion de ces problèmes des sociétés. Il a aussi passé en revue une batterie des mesures urgentes préconisées à court, moyen et long terme, lesquelles ont été soumises à la décision du gouvernement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes relatives au secteur de la recherche scientifique. Le ministre de l'Agriculture, intervenant au nom du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique en mission, a présenté au Conseil deux notes d'information portant respectivement sur le rapport synthèse des travaux de la 67e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique tenue du 25 au 29 septembre 2003 à Vienne en Autriche, ainsi que les rapports d'évaluation des inventions, innovations, au conclave du génie scientifique congolais. En ce qui concerne le premier rapport relatif à la 67e session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a indiqué qu'en marge de ces assises et de toutes les discussions qui ont eu lieu, la République démocratique du Congo a été encouragée à tout mettre en œuvre pour les redémarrages du réacteur nucléaire de Kinshasa afin de renforcer la recherche scientifique dans ces secteurs et de conduire d'autres expériences scientifiques à partir de cet instrument de très haute sensibilité. Notre pays a été également encouragé à lancer des travaux de construction d'un centre multidisciplinaire de diagnostic et de radiothérapie sur les sites attribués par l'Université de Kinshasa. Quant au second rapport lié à l'évaluation des inventions et innovations au conclave du génie scientifique congolais, il a présenté au Conseil les fiches techniques et les business plans des inventions et innovations issues de ces conclaves et qui sont prêtes à être injectées dans l'économie nationale. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Restitution de la réunion spéciale sur la situation du marché de change. Invité spécialement à cette réunion du Conseil de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC, a fait le rapport de la dernière réunion de conjoncture économique élargie spécialement aux responsables des secteurs bancaires, des télécoms et pétroliers que le chef de l'État a présidé le jeudi 9 décembre 2023 à la Cité de l'Union africaine pour passer en revue la situation du taux d'échange en République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, plusieurs mesures additionnelles ont été prises à la suite des celles en vigueur depuis le 17 juillet 2023 pour juguler les taux de change. Elles prévoient les dispositions suivantes. 1.
Le gouvernement réitère la mesure de paiement de tous les droits dus à l'État en francs congolais. Par conséquent, les banques commerciales sont appelées à ne plus accepter les paiements de droits en monnaie étrangère. 2. À l'exception du point précédent, les opérateurs miniers sont eux appelés à s'adresser à la Banque centrale du Congo pour toute opération de change pour paiement de taxes. 3. La Banque centrale du Congo procédera à une analyse des écarts entre les taux vendeurs et les taux acheteurs sur les marchés interbancaires afin de prendre des mesures correctives éventuelles pour éviter la spéculation sur ces flancs du marché. 4. Les respects stricts des taux indicatifs des banques commerciales par les opérateurs économiques, en particulier les pétroliers, les grandes surfaces et les opérateurs des télécoms. 5. Les respects des taux indicatifs par les organismes publics, à l'instar de la Caisse nationale de sécurité sociale, le Fonds de promotion de l'industrie, l'Institut national de préparation professionnelle et régie financière et tous ceux qui sont dans les opérations de change. 6. Les contrôles économiques efficaces pour s'assurer du respect des taux indicatifs par tous les opérateurs économiques dans les dénouements de toutes les transactions. La lutte contre la fraude et l'application des mesures de restriction sur l'importation de produits similaires dans la partie ouest de la République. 8. Le renforcement par la Banque centrale du Congo, en collaboration avec la Chambre de mine, du suivi et du contrôle des rapatriements des devises et l'application de toutes les mesures draconiennes qui s'imposent. 9. Le renforcement de la collaboration entre la Banque centrale du Congo et la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, pour lutter contre la fuite et les blanchiments des capitaux. 10. Enfin, la Banque centrale du Congo devra accélérer les travaux de renforcement du système national de paiement. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 118e réunion tenue le vendredi 3 novembre 2023. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 5 textes ont été adoptés. 1. Projet d'ordonnance. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Elle a soutenu que ces textes prennent en compte les recommandations de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège ainsi que les délibérations du Conseil supérieur de la Défense sur l'évolution de la situation dans les territoires de province de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces textes répondent également à la nécessité d'adapter les mesures d'application de l'état de siège aux contraintes de la situation actuelle qui exigent l'assouplissement du régime restrictif de l'exercice des libertés publiques et droits fondamentaux des citoyens ainsi que de la gouvernance administrative des entités des provinces sous état de siège. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance. 3 textes relevant du secteur de finances publiques. La vice-ministre des Finances a soumis au Conseil 3 textes pour examen et approbation. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord du crédit numéro 73-390ZR pour un montant dollars américains conclu le 4 septembre 2023 entre la RDC et l'Association internationale des développements au titre du programme d'accès aux services des eaux et d'assainissement. 2. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 73-340ZR pour un montant de 290 millions de dollars américains conclu le 4 septembre 2023 entre la RDC et l'Association internationale des développements au titre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savane. 3. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don numéro TFC 1384ZR pour un montant de 10 millions de dollars américains du 4 septembre 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes. Après débat et délibération, ces 3 projets de textes ont été adoptés.
projet de loi portant utilisation sûre, sécurité et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires. Le ministre de l'Agriculture, représentant son collègue de la recherche scientifique et innovation technologique en mission, a soumis pour examen et adoption les projets de loi portant utilisation sûre, sécurité et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires. Dans un contexte post-accident nucléaire majeur et dominé par les terrorismes internationaux, ces textes consacrent un nouveau cadre légal et réglementaire qui prend en compte d'autres aspects de droit nucléaire international comme la sûreté et la sûreté nucléaire, la responsabilité civile et les garanties nucléaires. Il prévoit donc des dispositions juridiques en vue d'indemniser les dommages nucléaires, ce qui motive l'impérieuse nécessité de rédiger une nouvelle loi en remplacement de la loi numéro 17/2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique de matières et des installations nucléaires et radiologiques qui n'est plus adaptée pour répondre aux questions actuelles liées à la sûreté, à la sécurité, aux garanties et à la responsabilité civile en conformité avec les normes internationales. Pour corriger cette faiblesse, le présent avant-projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires, en conformité avec les exigences internationales de la réglementation nucléaire recommandée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, auquel la République démocratique du Congo a souscrit, ce projet de loi crié et apporte plusieurs changements majeurs. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a conclu sa présentation en précisant que la République démocratique du Congo a l'obligation de veiller à la mise à jour de la réglementation nucléaire en ratifiant ou en adhérant aux différents instruments internationaux en la matière pour une gestion efficace de ces secteurs hautement stratégiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Avant de clôturer cette réunion du Conseil de ministres, les derniers qui précèdent les débuts de la campagne électorale, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à considérer le moment de la campagne qui arrive comme un rendez-vous historique et un rendez-vous avec le peuple congolais. Il faut avoir foi en vous, foi dans le travail que nous avons fait ensemble. Nous devons opposer des arguments contre les arguments. Et les résultats de notre travail durant ces années permettra aux Congolais de nous refaire confiance. Les ennemis de notre pays sont en alerte dans l'objectif de perturber par tous les moyens les processus en cours. Mais gardons foi en Dieu et la cause du Congo triomphera, a-t-il conclu. Commencé à 14h55. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h41. Je vous remercie.